Allez, c'est parti pour quelques exercices sur le ballon, des exercices d'équilibre et de gainage pas du tout faciles. Je vous propose de mettre le ballon sur le sol. On va commencer directement avec l'équilibre puisqu'on va mettre le pied sur le dessus du ballon, sur le pôle. On est bien ancré sur le sol, on ne s'affaisse pas, on se déplie, on se grandit. Et avec le ballon, on va dessiner des cercles sur le sol. Comme on fait tourner le pied sur le ballon, ça oriente le genou et ça fait bouger l'articulation de hanche. Pourtant, le reste du corps reste bien en place. Dans un sens et aussi dans l'autre sens, les cercles. Très bien, l'autre côté. Même chose, je mets le pied sur le pôle du ballon. Je prends bien appui fermement sur le sol, genou un peu fléchi, j'allonge la colonne et c'est parti pour nos cercles. Je dessine des cercles sur le sol avec le ballon. Quatre cercles dans un sens et quatre cercles dans l'autre sens. Bien, puis libérez-vous du ballon. Très bien, et là on va pouvoir s'asseoir sur le ballon. Très bien, et on va marcher en avant pour prendre la position que moi j'appelle la table. C'est-à-dire, le dos de la tête est sur le ballon, l'espace entre les omoplates est sur le ballon, et on a tellement avancé les pieds que le bas du dos et les fesses ne touchent plus le ballon. On ne laisse pas le bassin s'enfoncer dans le vide comme ça. On va presser le sol avec les pieds pour avoir cette position de table hein, où les genoux, les cuisses, le bassin et le ventre sont à la même hauteur. Laissez bien votre tête reposer sur le ballon. Ne levez pas votre tête. Gardez la tête reposée sur le ballon et placez vos bras en croix pour vous aider à vous équilibrer. On garde cette position et on réveille les muscles de l'abdomen, les fessiers, l'arrière des cuisses. Une fois que vous avez bien cette position, jouez à déplacer le ballon vers un côté, puis vers l'autre. Et vous allez sentir qu'en faisant cela, vous changez vos appuis sur le ballon. Au lieu d'être appuyé bien au milieu, vous êtes un peu plus appuyé sur une omoplate, un peu plus sur l'autre. Et ça produit aussi un changement d'appui au niveau des pieds sur le sol. Lorsque je suis appuyée sur le ballon avec l'omoplate gauche, je suis plutôt en appui sur le pied droit. Et inversement, on a des appuis croisés. On va rester sur un des deux côtés, celui que vous voulez, pour fermement appuyer le pied dans le sol et sans faire descendre le fessier le moins possible, étendre la jambe dans le prolongement de la table. Puis l'autre côté, on met la rallonge à la table. On presse le sol avec le pied, avec l'omoplate, je presse le ballon, j'étends la jambe. Allez, encore une fois de chaque côté. D'un côté et de l'autre, serrez vos fessiers, vos abdominaux. Allez, je pose. Très bien, lâchez le bas du dos, remontez la tête si vous voulez en accompagnant avec les mains. On remonte sur le ballon. On s'étire, on pousse les fesses en arrière, on enroule la colonne, on laisse le dos s'arrondir, la tête descendre et peut-être le bout des doigts aller jusqu'aux orteils. Longue respiration. Et prendre appui sur les genoux, dérouler la colonne. Impeccable. Avec cet exercice, on a fait travailler très fortement l'abdomen et les fessiers. On va à présent réveiller les muscles spinaux, ceux qui sont autour de la colonne vertébrale. Asseyez-vous bien au milieu de votre ballon, pieds et genoux ouverts à la largeur du bassin. Faites quelques mouvements de rétroversion, antéversion du bassin. Et on va s'arrêter en légère antéversion pour pouvoir faire rouler le ballon légèrement en arrière et le buste bascule légèrement en avant.
jusqu'à ce que le dos vienne à peu près à 45 degrés. Vous pouvez faire glisser vos mains sur le devant de vos tibias. À partir de là, je pousse les fesses vers le bas et l'arrière et le sommet du crâne vers le haut et l'avant. Je m'étire sur la diagonale du dos. Réveillez votre centre pour vous aider à tenir avec votre sangle abdominale le bas de votre dos. À partir de là, je touche les épaules avec les pouces, j'ouvre la poitrine et j'étends les bras dans le prolongement du dos. Je reste. Je maintiens pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je prends appui avec les mains sur les genoux. J'enroule ma colonne et j'avance le ballon. Je me déplie. Je m'étire et je relâche. Quelques cercles avec les épaules. Allez, deuxième étape. On reprend le mouvement du bassin. On va reprendre exactement le même exercice, mais avec option, vous allez voir. Le mouvement d'antéversion et de rétroversion. Pour trouver une légère antéversion, le bas du dos se creuse légèrement. Mais on va pousser le ballon en arrière et basculer le buste en avant. Le dos se met à plat en vérité, dans la position dos à 45 degrés. On garde cet alignement. Et on pousse les fesses vers le bas et l'arrière et le sommet du crâne vers le haut et l'avant. On s'étire sur cette diagonale par les deux extrémités. On peut descendre les mains à peu près au milieu des tibias. On allonge un maximum, on réveille le centre. Très bien, comme tout à l'heure. Je touche les épaules avec les pouces, j'ouvre la poitrine et j'étends les bras dans le prolongement du dos. Gardez la sangle abdominale tonique, continuez d'allonger votre colonne et attention, on va faire ce que j'appelle le hachoir. On va faire des petits mouvements avec le tranchant des mains qui hache en imagination. Allez, des petits mouvements qui se passent dans les épaules en vérité mais qui n'emportent pas le dos. Hein, ne laissez pas vos épaules basculer. Le dos est solide, serrez votre ventre, continuez d'allonger votre dos, on continue le petit hachoir, le ballon ne bouge pas du tout. 4, 3, 2, 1, et je prends appui sur les genoux et j'enroule et je déroule l'articule. Je m'étire un bon coup et je souffle. Quelques cercles avec les épaules. Pour la suite, on se met à genoux, éventuellement un petit appui. Hop. À partir de là, à genoux, le ballon devant, on va rouler en avant pour avoir le ballon sous le ventre. Je roule en avant, j'ai le ballon sous le ventre. Les mains sont sur le sol, mais j'ai toujours les pieds en contact avec le sol. Les orteils sont crochetés. On ne veut pas ça. On veut la position où je serre le ventre, je serre les fessiers, le bas du dos est à plat et je ne regarde pas droit devant, je replace la nuque dans le prolongement du dos, si bien que je vois le sol entre mes deux mains. Je presse bien le sol avec les pieds, avec les mains, je réveille mes muscles du centre même si le ballon me soutient. Petit exercice de prise d'appui, je presse le sol avec la main gauche et le pied droit. Pour pouvoir soulever le pied gauche et le bras droit. Et je reste en équilibre. Je maintiens le ventre, je ne creuse pas le dos, je ne creuse pas non plus la nuque. Gardez le dos tonique bien à l'horizontale. Le ventre est serré, le fessier est serré derrière. Allez, je pose. L'autre côté, je prends appui avec main droite, pied gauche sur le sol. Pour pouvoir étendre la jambe droite, et le bras gauche. Et je reste. Je maintiens mes appuis. Je maintiens le centre fort. Je garde le dos à l'horizontale. Je pose. Allez, encore une fois de chaque côté. J'étends. J'étends. Concentrez-vous sur le pied et la main qui restent au sol. Et sur le fait de tonifier votre centre. De tonifier votre dos. De l'autre côté.
Concentrez-vous sur le pied et la main qui reste au sol. Gardez le centre fort, le dos tonique. Allez, je repose, je relâche autour du ballon. Relâchez le dos, les bras, les jambes, les fessiers, les cuisses. Et bien, on arrière. Très bien, on va refaire un petit peu ces exercices, mais si vous voulez, vous pouvez passer au niveau suivant. Niveau 1, comme ça, avec les mains sur le sol. Et si pour vous c'était suffisamment facile, niveau 2, avec les mains sur le ballon. Allez, je roule en avant. Jusqu'à avoir le ballon sous le ventre pour pouvoir mettre les mains sur le sol. Et niveau 2, le ballon un petit peu plus haut, à la limite entre le ventre et les basses côtes, les mains sur le ballon. Les orteils sont projetés, les pieds sont ouverts à la largeur du bassin et comme tout à l'heure, on ne cambre pas. On prend l'impression de presser le pubis vers le ballon, ça fait serrer les fessiers. Et on allonge la colonne, y compris les cervicales, je regarde sur le sol juste devant mon ballon. Et comme tout à l'heure, je prends appui sur un pied pour pouvoir soulever l'autre et j'étends l'autre bras. Pas besoin d'aller très haut, ni avec la jambe, ni avec le bras. On reste en équilibre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je pose. Gardez les fessiers serrés, le nombril rentré, j'allonge la colonne. Allez, l'autre côté, je prends appui avec l'autre pied sur le sol. J'étends l'autre jambe, elle se soulève. Et lentement, j'étends l'autre bras. Et je reste en équilibre, je reste. Je maintiens pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je pose. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. On serre les fessiers, on allonge le dos. L'autre côté, une deuxième fois de chaque côté. Je soulève le pied, j'étends bien la jambe et j'étends le bras. Et je reste avec mon équilibre. Soit avec la main au sol, pour ceux pour qui c'est trop difficile, soit avec la main sur le ballon, on reste encore 4, 3, 2, 1, et je pose de l'autre côté, je prends appui sur le sol avec mon pied, je soulève l'autre jambe, serrez votre ventre, ne laissez pas votre dos se cambrer, on maintient la position, on maintient, on tend bien la jambe, on tend bien le bras, 4, 3, 2, 1, et je pose, et relâchez. Laissez le dos prendre la forme du ballon. Vous pouvez mettre votre tête sur le côté si vous préférez. Veillez à bien lâcher vos bras, bien lâcher vos mains. Lâchez vos cuisses, vos genoux, vos pieds. N'hésitez pas à basculer un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Bien. Revenir à genoux, déroulez la colonne, prenez le temps de vous relever. Et moi, je prends le temps de vous féliciter. Tous ces exercices, pas faciles du tout, je vous invite à refaire plusieurs fois cette vidéo. Vous allez très vite vous améliorer, vous verrez.